Cet épisode est une présentation d'Intact Assurance. Salut la gang, on est sur un site, ma foi, enchanteur. On est sur le site du Festival hors route de Sainte-Béatrix. La gang d'Espace événementiel et Edith Loyer, merci la gang de nous accueillir sur votre site, de nous prêter votre site enchanteur. Puis regardez ce qu'on a derrière, un beau Hunt Ladder 1000R XMR 2022. C'est un prototype, un late release si on veut. Donc les couleurs ne seront pas identiques lorsqu'on va arriver en production. On va avoir des couleurs qui vont être au niveau des pare-chocs, au niveau des ressorts, ça va être noir. Mais c'est sensiblement le même véhicule. Puis là, ben oui, on va aller se tremper. Oui, on va faire de la boîte. Oui, je vais aller me charger avant. Puis on va s'amuser, on regarde ça. Lorsqu'on parle XMR, on parle d'un véhicule pour aller dans l'eau, pour aller dans la boîte. Donc, des facteurs intéressants au niveau des pneus. On regarde les pneus avec des gros crampons, vraiment des pneus de boîte. Je l'ai roulé un peu en sentier pour le rodage, entre guillemets, parce qu'il était complètement neuf lorsqu'on l'a reçu. Et puis, c'est sûr que ce n'est pas des bons pneus pour faire du sentier. C'est vraiment des pneus qui sont faits pour la boîte, pour aller s'amuser dans l'eau puis dans la vase. On a ce qui est typique au niveau des XMR. L'admission d'air complètement en haut, le radiateur pour refroidir le véhicule complètement en haut également. En temps normal, c'est situé en dessous à l'avant, donc en haut pour qu'il soit clair, pour ne pas avoir trop de saleté au niveau du radiateur. Puis également l'admission d'air qui est complètement en haut, qui est sous le compartiment qu'on a ici, pour nous permettre que notre moteur continue à avoir de l'air même si on est dans l'eau complètement. Donc, on s'assure que le devant reste sorti de l'eau et puis on a de l'air continuellement au niveau de notre moteur qui peut continuer à fonctionner. Chose intéressante également, on a un filtre, un pré-filtre, si on veut, au niveau de l'admission d'air qui est perméable à l'air mais qui est imperméable à l'eau, donc il ne laisse pas passer l'eau, ce qui fait que si jamais il y a une bad luck qui arrive et puis là, on se retrouve complètement calé avec le véhicule, bien le véhicule va tout simplement manquer d'air, il va arrêter tout simplement, puis il n'y a pas d'eau qui va s'infiltrer. Donc, pour quand même un court laps de temps, c'est sûr qu'au niveau des échappements, les conduits demeurent quand même ouverts au niveau des échappements. Donc, lorsqu'on cale le véhicule complètement, bien, on s'assure de le sortir assez rapidement. Donc, notre version, c'est le 1000R. Donc, c'est le gros 2 cylindres en V de 1000cc qu'on connaît bien chez Can-Am depuis plusieurs années. Le moteur développe 91 chevaux. C'est le plus puissant jusqu'à aujourd'hui sur le marché. Donc, 91 chevaux de pure puissance. On a également tous les contrôles qui sont situés très près du guidon, le plus haut possible. Donc, on a le bouton qui nous permet d'aller jouer au niveau du cadran qui est situé juste ici, tout près du guidon. Donc, tout est très haut pour éviter d'avoir le moins d'infiltration d'eau possible. C'est également un châssis. C'est le même châssis que le Outlander Max, que le 2 places. Donc, on a beaucoup d'empattement. Et puis, si vous remarquez à l'arrière, on aurait l'espace pour mettre un 2 places, un siège d'appoint, un siège de passager. Présentement, ce qu'on retrouve, ce qui vient de série avec le véhicule, c'est un petit coffre pour ranger vos effets personnels. De série, le XMR va vous être livré avec le winch en avant, donc le treuil de 3500 livres, des belles roues en aluminium peinturées, des belles roues noires peinturées. Puis si on regarde, lorsqu'on parlait un peu de la version 2 places, eh bien c'est bel et bien, la base est bel et bien une base de 2 places, mais on a ajouté une plaque pour être capable d'avoir les pieds à angle lorsqu'on a le devant dans les airs, dans la grosse boîte. OK, à bord du bolide, on se rend compte que s'il y a beaucoup de traction, il y a beaucoup d'eau. Je ne suis pas un gros habitué de ça, mais Moses, que c'est le fun. Vous allez voir, mon whoop, on ralentit un peu, mais on sent qu'on va chercher le fond. On réussit à ressortir du trou. Beaucoup de fun, la gang. Difficile de dire qu'on n'a pas du fun dans une place comme ça, être capable de s'amuser dans la boîte comme quand on était tout jeune. Je pense que le XMR 1000, c'est probablement l'un des meilleurs véhicules si vous ne voulez pas investir beaucoup d'argent pour aller s'amuser dans des conditions comme ça, dans des conditions de boîte. Il a vraiment été développé pour ça. Puis je pense que ça, c'est un de ses plus beaux aspects positifs du véhicule.
c'est que vous allez acheter ce véhicule-là, vous n'avez pas 60 000 modifications à faire sur la machine pour être capable d'aller vous amuser. Est-ce qu'il y en a qui vont faire des modifications qui deviennent encore plus performants? Absolument. Mais je pense pour un véhicule de base pour aller s'amuser dans la boîte, il n'y a rien de mieux que ça présentement du côté de chez Can-Am. Côté un peu plus négatif, c'est sûr que ce n'est pas une machine de sentier. On a des pneus qui sont extrêmement rigides. On a une suspension qui est rigide aussi pour travailler dans des conditions comme vous avez vu aujourd'hui. Donc, c'est un véhicule qui se comporte un peu moins bien en sentier. J'ai fait quand même 200 km en sentier avec le véhicule. Donc, ça porte plus dur. C'est sûr qu'au niveau des pneus aussi, quand on arrive sur des surfaces très dures, on a beaucoup moins d'adhérence parce que la surface de contact est moins grande avec le sol. Donc, c'est vraiment un véhicule que vous pouvez utiliser en sentier, mais c'est conçu pour s'amuser dans la grosse boîte comme on a vu aujourd'hui. Merci beaucoup la gang de Festival Hors-Route de Sainte-Béatrix, la gang d'Espace événementiel. Merci pour le prêt du site. C'est très difficile de trouver des sites de façon légale, entre guillemets. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Maintenant, bien, si vous avez besoin de plus d'informations, on vous invite à venir visiter nos sites ou bien faites un tour sur le site du manufacturier de BRP. Cette année, on visite le Québec autrement. Cette année, on découvre les circuits touristiques de la route Quad. Salut tout le monde. Aujourd'hui, une belle journée. On est à Gaspé pour la remise du prix de le fabuleux concours qu'on a eu avec beaucoup de succès. On est avec le gagnant Manu Landry et Véro Landry. Comment ça va, vous autres? Ça va bien. Ouais. Ça peut pas mal aller. Le stress commence à baisser un peu, ouais, là, ouais. Depuis tantôt, là, les lives Facebook. C'est pas évident quand on n'est pas habitué. Puis, mais c'est cool. On a vu de l'émotion de vous autres, puis c'est bien le fun. Moi, je veux en apprendre un petit peu plus. Là. Vous autres, avez participé au concours de quelle manière, puis quand, puis comment ça a été? Pour faire une histoire courte, j'étais assis sur ma galerie sur le bord de la plage, puis j'ai reçu un refresh email de Passion Motoneige. De dernière chance de participer au concours le 8 août. J'ai dit, je vais remplir le concours. Puis, oui, c'était limite assez, puis je l'ai rempli, puis j'ai eu un appel le 10 août que j'étais le gagnant. Ouais. D'ailleurs, l'appel, tu pensais que tu te faisais déranger, tu n'étais pas sûr si c'était vrai? Non, dans cet incite, je pensais plus à. Je me faisais soit frauder ou quelque chose comme ça. Là. Ça m'a pris une journée ou deux à y croire vraiment là. Ouais. Ah non, c'est un vrai concours, c'est un vrai véhicule, puis là, c'est enfin vrai pour vous autres. CF Moto, en collaboration avec notre gang, notre réseau, écoute, on vous offre ce beau véhicule-là. Plein de beaux cadeaux, CKX, c'est toute la gang. Là, c'est le temps de mettre nos manteaux, puis aller essayer nos casques, puis on part avec ça. On est prêts. On s'en va dans les sentiers de Gaspé, fait que regarde, on va avoir du fun. C'est bon.
Manu, Véro, on a eu une super de belle journée. Et on vient de revenir, puis on l'a un peu sali. Ça a été le fun. Comment tu as trouvé ça, comparé à toutes les bébelles que tu as eues dans ta vie? C'est confortable? Oui, confortable. Bonne machine, puissante. Ouais. La puissance en masse. Oui, j'ai vu ça tantôt. Véro, en arrière, tu as passé d'un trou de boîte. Elle souhaitait que tu l'écrases, mais tu voulais pas le salir. C'est toi qui l'aves. Ouais, c'est ça. Non, fait que c'était belle fun. Fait que là, écoute, on vient de revenir au trailer. On embarque ça sur ton trailer. On va aller prendre un bon souper ensemble. Parfait. Peut-être essayer de quelques canettes. Puis après ça, bon. On va vous dire un autre bonjour. Puis on va se revoir, c'est sûr, le courant de l'année en motoneige, en moto ou en quad. Fait que merci de votre présence. Puis on se dit merci. À la prochaine. Merci à vous autres. Merci à tout le monde. Belle équipe. Merci. Dans Z-Force, il y a force d'attraction et force de la nature. Vous perdre pour mieux vous retrouver, c'est votre force. Salut la gang, aujourd'hui on est très chanceux d'être un des premiers médias québécois à mettre la main sur le CF Moto U-Force 600. Venez avec nous, on va aller découvrir ça ensemble. Avec son design complètement redessiné, le U-Force 600 va ressembler un petit peu plus à son grand frère, le U-Force 1000. La ligne a été retouchée entièrement. C'est beaucoup plus actuel, beaucoup plus dynamique comme design. Avec ce nouveau véhicule, l'intérieur a été totalement redessiné, donc très bonne prise en main avec le volant. L'ergonomie est très bien pensée, tout est à sa place. Au niveau de l'habitacle aussi, on a quelque chose qui est très pratique. En dessous des sièges, on a beaucoup d'espace de rangement, donc à ce niveau-là, chapeau pour CF Moto. Un élément que j'aime beaucoup sur ce véhicule-là, c'est l'ouverture du capot à l'avant, d'un style un peu, on va dire, tracteur de van, donc il donne un immense accès au niveau du radiateur, au niveau des fusibles, et même le système électrique, si on veut se rajouter des accessoires électriques, c'est très facile d'accès. À l'arrière du véhicule, comme tout bon véhicule de travail, qui se doit, une benne de chargement, de l'ouverture avec deux charnières qu'on va parler un petit peu plus tard, très facile d'accès, et j'aime beaucoup aussi la signature lumineuse Odell sur les lumières arrière. Avec l'ouverture de la benne, on a un accès très aisé pour le moteur, un monocylindre de 580 cc qui produit un 40 chevaux, 36 livres pieds de torque. Donc c'est suffisamment pour effectuer les travaux sur le terrain, mais aussi aller un petit peu en sentier, mais c'est beaucoup plus un véhicule de travail que de sentier. Donc les impressions de conduite, première chose en prenant place à bord du U-Force 600, on sent à son aise rapidement, il y a une très belle ergonomie au niveau du tableau de bord, la prise en main du volant est excellente, position de conduite qui est typée un petit peu plus travail, donc assise un petit peu plus droit, mais quand même très confortable. Quand on conduit le véhicule, bien, c'est très facile, le power steering, la direction assistée fait un très bon travail. Parlant de direction, bien, on a un diamètre de braquage qui est très, très, très serré. Donc, pour un véhicule de travail, c'est facile de se retourner. En roulant un petit peu plus vite, à certaines vitesses, bien, on a une belle amélioration quand même du côté de CF Moto là, dans la gamme U-Force au niveau des bruits, des vibrations qu'on perçoit quand on roule. Malgré tout, quand on compare avec les grands constructeurs dans le marché, on a encore place d'amélioration, donc il y a encore un petit peu là, de bruit, de plastique qui frotte ensemble, de vibration, de tôle, mais nette amélioration à ce niveau-là. Si on parle du moteur maintenant, un 580cc, on a un 40 chevaux, 36 livres-pieds au niveau des specs, mixé avec une transmission CVTEC. On a un très bon rendement, on parlera pas de haute performance, bien sûr, c'est un véhicule de travail avec un monocylindre, mais quand même, ça débrouille très bien. Donc, pour travailler, c'est amplement suffisant. On parle d'une capacité de remorquage de 2000 livres, donc c'est très acceptable dans ce segment de marché-là. Quand on arrive à rouler un petit peu plus à haute vitesse, CF Moto ont pensé mettre un interrupteur avec deux modes, donc un mode éco et un mode sport. Donc, à ce niveau-là, on va avoir une modification au niveau de la cartographie d'injection.
Donc, quand on y va avec le mode éco, on est un petit peu plus souple, un petit peu plus smooth, qu'on va dire, quand on appuie l'accélérateur. On gravit une côte, on est en basse vitesse, donc il n'y aura pas de contre-coup qui va être ressenti. Quand on veut un petit peu plus de performance en sentier, bien, on peut venir peser sur le mode sport, un petit peu plus agressif au niveau de l'admission d'air, les entrées des gaz. Donc là, on a pleine exploitation de la motorisation. Ça reste quand même très acceptable. C'est pas une machine de sentier pure et dure, autant niveau motorisation que suspension, mais quand même très agréable à conduire dans un sentier à vitesse modérée. On est maintenant rendu au segment de parler des points positifs. Design, look très actuel, très novateur sur ce véhicule-là. Un autre point positif au niveau de la qualité d'assemblage, de finition, qui est presque exemplaire, donc vraiment là, un bon step-up à ce niveau-là. Tout est bien, l'ergonomie. Si on parle là, de certains détails comme les miroirs qui sont fixés très solidement, mais quand même avec un petit spring si on rentre dans les branches. Autre point positif, la motorisation qui est très bien adaptée sur ce véhicule-là. Oui, c'est un véhicule de travail, mais si on veut un petit peu aller en sentier, un petit peu plus loisir, bien, on a la motorisation pour le faire. Maintenant, les points améliorés. Bien sûr, quand on roule dans le véhicule, on a eu déjà une belle amélioration avec ce nouveau véhicule-là, mais on souhaiterait encore un petit peu plus d'amélioration au niveau des bruits, des vibrations à certains régimes moteurs. Donc, à ce niveau-là, ça pourrait être mieux. La benne à l'arrière, on a deux charnières au lieu d'avoir une poignée centrale, donc on aimerait ça en avoir juste une, et aussi un petit peu plus de robustesse au niveau du panneau. En conclusion, avec le U-Force 600, on a un véhicule de travail qui est très bien équipé d'origine, donc un très bon rapport qualité-prix. Si vous voulez un petit peu plus de détails, vous pouvez aller voir notre site web ou votre concessionnaire CF Moto. Procurez-vous le magazine Planète Quad, la référence dans le domaine du quad au Québec. Vous y trouverez une panoplie d'articles complets sur les primeurs de l'industrie tels que l'essai de véhicules, visite de destinations de rêve, chroniques mécaniques et bien plus encore. Le magazine Planète Quad, votre passion, votre magazine. Parcourez notre site web pour connaître nos forfaits d'abonnement papier et digital. Dans ces forces, il y a force intérieure et force de caractère. Sortir jouer dehors pour vous sentir mieux en dedans, c'est votre force. Aujourd'hui, une chronique très facile. On va vous montrer des étapes. Comment changer votre corde de treuil. Relâchez le frein du tambour. Tirez le corde à l'aide de gants protecteurs. Desserrez les boulons de retenue du guide à rouleau et procédez à son retrait. Tirez le câble à nouveau jusqu'à sa pleine extension et démontez son extrémité du tambour avec précaution en desserrant l'écrou de retenue. Insérez l'extrémité du câble dans la fente du tambour et resserrez l'écrou de retenue. Installez un guide approprié à corde synthétique. Maintenez une tension sur la corde et rembobinez-la adéquatement. Installez le crochet sur la corde préalablement retirée du câble. Une fois terminé, il est maintenant temps de profiter de ses attributs sécuritaires. Comme vous avez vu, c'était simple et rapide, 15-20 minutes et le travail a été fait. Il faut toujours également s'assurer que notre câble ou notre corde soit toujours bien enroulé, toujours en bon état, pour toujours être prêt à toute éventualité. Cet épisode vous a été présenté par Intact Assurance, CF Moto Canada, le groupe Content.